dossier de la son génère, madame, monsieur. L'État ici est associé pour un gros coup dans le moment même dans le palais là. Bagala compliqué pour l'État haïtien, puisque, mesdames, messieurs, monsieur Ariel Henry et ses amis et consorts décidèrent quelque chose, mesdames, messieurs, pour remettre la songénaire, tout billet qui a été gagné, ou été volé pour l'État ou pour la population, et généralement plus de 54 millions de dollars américains. Bagay ça, bah, un pile tête fait mal, un pile caisse sauté, qui permet un pile mon poser cette question. Qui ça pral passé? Qui ça l'État dit dans ça? Pour qui ça l'État obligé à la loi school? À travers avocat que l'État t'est placé sous gouvernance président Jovenel Moïse, il y a madame, monsieur le maître Newton Saint-Just qui également ben, un paquet de détails de sacrivé hein, qui dont paquet de bagaille donc qui vraiment important. Donc madame, monsieur un paquet de bagailles qui arrivent dans le dernier temps. Moi, je voulais, au fait, dire deux, trois bagailles qui. C'est des bagailles qui sont vraiment importantes dans le dossier. Ça. Mais je choisis pas prendre position trop parce que j'ai un problème, j'ai une série de problèmes qui gagnent en Haïti. À chaque fois, j'ai une possibilité de prendre des positions pour eux. Eh bien, c'est vous-même qui venez de payer pour casser. Mais en tout cas, bah, qui nous faut citer un avocat haïtien, mais c'est juste. Et puis moi-même, je viens avec tout le détail pour mieux pour m'expliquer nous. Au fait, qui ça a passé, pour qui ça c'est comme ça bagaille au fait. Mais au départ, un petit mot, son génère, il y a une bataille. Entendez mon fini. Avocat son génère encore. Parce que l'ordonnance. Oui, on dit pas qu'à dire l'avocat son génère. C'est fini, mon ami. Tenez bien ce qui arrive. Je suis bien content et j'ai nous abordé la question. Ouais. Et Jodia là, nous t'es encore à le surprendre ce jeu dans le tribunal 7 juillet. Côté que juge Brady Fabien et qui t'a siégé. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Bon, le gars, ils ont dit, monsieur, que t'es dernier dans la promotion là. C'est pas un concours de circonstances de devenir juge. Gagné yon action en récusation portée contre le juge là pour illimité capital avec une avocat. Action régulièrement signifiée au greffe et on notifie le juge là ça. La loi dit très clairement des bons juges on va conseiller. Vous d'ailleurs, pas même besoin d'y vivre ma récusation avant. Yon juge on partit dit pas confortable avant. Parce que c'est pas dossier à vous. En tant que juge, vous êtes réputé être étranger au dossier. Ou pas capable de gagner une partie dans un dossier. Et la fonction de juger elle-même, pour mettre ça, l'exiger, c'est l'indépendance. Bon, juge l'a plaidé avec moi. Elle dit comme si, camper, comme si, mettre ton juge l'a plaidé avec moi comme avocat dans le tribunal. Juge me dit Fabien. Ah, mais l'avocat, l'autre partie. Ah, l'avocat, son général, il n'est pas juge. Et des journalistes étaient là, vous pouvez rapporter tout ça. D'ailleurs, il était interdit, journalistes prend image et son, etc. Et je dis que ça fait peut-être. Ou pas réellement, il y a des journalistes de paquet de médias qui étaient là. Je leur ai dit, est-ce que tu as signifié l'autre partie? La loi a dit, bah, comme ça. Il a nous référé l'article 435 et suivant du Code de procédure civile. Eh bien, il n'y a pas le juge a fait. Tout le plaidoirie a plaidé avec nous. Avocat Sojou n'a pas de j'aime rien, vous le dites, vraiment. C'était maître. Non, c'était Fanfan, Guérilus. Okay. Et puis, et de l'autre côté, c'est quelle laideur. Et c'est le comportement de la DGI. Maintenant, ça qui va nous poser problème, nous dit bon, nous n'avons pas de dossier. Le dossier appartient à l'État. Déjà, l'État qui doit choisir de retirer le dossier à ben, n'importe qui. D'accord, l'avocat n'a pas de dossier. Mais comme nous avons choisi ça, non pas nous, pour le faire, gagoter à faire, nous venons dans le tribunal là, nous avons intérêt, nous avons d'abord ça. Mais nous marcher dans le greffe là, nous avons une décision. Son décision qui sort si je dans l'instant de Gaston, Finicril, et pour Bédi Fabien, et puis tout, il n'y a pas dans le greffe là. Nous n'avons pas qu'à joindre pour nous faire appel de lui. Ce bagage comment Bertono, c'est eux-mêmes qui écrit décision pour Bédi Fabien. Tout
Ça, c'est l'accusation. C'est le juge Bédi Fabien, moi, qui. Comment signe comme juge, qui. Ben, l'ordonnance là. Ou bien. Même ma recherche, l'ordonnance là. Tenez bien. Tenez, ma bonne. On juge. Mettre la douleur à chercher. Les sorties, mais qu'on a une sortie. Regardez, c'est le monde qui a dit qu'il n'y a pas exécuté. C'est le monde qui a pris des miens dans la finance qui dit que il y a un papier qui a venu pour y bailler son général agent. Il a parlé de. Si je calcule sur 3 ans, 18 millions de dollars par année. Et je prends 1,5 million et l'argent que ce jeune gagne que le bail courant, que le bail courant. Comment ça veut dire? L'on multiplie 3 ans, multiplié par 10, 30 millions, 3 fois 24, 54 millions de dollars. Par contre, si je me trompe, et c'est peut-être bon, on fait calcul. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que je dis à là, et professeur plein, il n'y a pas qu'à toucher, l'hôpital n'a pas qu'à fonctionner. L'on même que ce jeune a gagné raison, il y a une procédure qui est devant le tribunal déjà. Qui pour établir si c'était une facturation ou non. Donc, ce n'est pas Ariel Henry et consort, ce n'est pas Ariel Henry, ministre financier, et puis directeur des GI, qui est capable, qui est adoué. Peut-être qu'il y a 10%, il y a 20% dans 54 millions. Et peut-être bah, combien il y a qui fait qu'il y a autant d'intérêt. Et le message qui vient chaque jour, mon cher, qu'on paye en pays difficile, et faut comprendre. Et si vous ne voulez comprendre, il y a qu'à faire comprendre. Bon, je n'ai pas peur de ce truc-là. Maintenant, ça qui est important pour la population comprendre, c'est que il a accusé ce génère qu'il se facturait détaillé pour plus que 123 millions de dollars américains. Ce génère a environ 19 millions de dollars américains que il prend dans même BNC et dans des conditions voire sont faites d'ailleurs contre lui et pour escroquerie et l'autre infraction encore. Et puis environ 198 millions de dollars américains avec BMBAD, c'est plus que 330 millions de dollars américains. Donc, est-ce que l'État haïtien n'a pas intérêt dans ça? Directeur DGI n'a pas intérêt dans ça? Ariel Henry n'a pas intérêt dans ça? Et donc, est-ce que l'intérêt, c'est pour défendre les intérêts de la sous-génère? Et j'ai vu quelque chose, il y a de cela peut-être 2 semaines, qui vous tenez attention. Je ne sais pas si ça sur les réseaux. Ils ont du feu, ils ont monté que Varo prend du feu. Ils ont une photo, ils ont monté que Varo prend du feu. C'est sur les réseaux sociaux. Là, je regarde bien, je me dis ça par Varo, mais je prends d'autres de ça. Parce que s'il est vrai que il y a pour mettre tout bagaille, mais va ouvrir à son lot bagaille lié, parce que t'es bon lot décision doit être prise pour être capable pour l'État ici de reprendre possession de va ouvrir. Maintenant, ça qui est important pour yo, c'est montrer que yo t'es coupé contre yo illégalement et 1,5 million de dollars que yo fait un coup par fin et bah chaque mois vous a toujours joué. Qui a fini vous mettre comme ça là actuellement là et c'est ça qui a réglé parce que parce qu'on songe très bien que comment il s'appelle déjà ministre et finance Lalo. T'as dit que son dossier de boulot main ou à mourir bon ouais il y en a mort déjà là et il y en a mort déjà bah on essaie à Dani. Bref, maintenant pour que ça retenu attention nous, c'est parce que premier contrat sous Genet Gagnon, c'était sous Varou 2. Maintenant, pour le venir jouer sous Varou 1, pour le faire Varou 3 comme backup, il était obligé de mettre du feu dans Varou 1. Le parquet Port-au-Prince dit que c'est un incendie criminel et il pourra prendre des mesures. Dossier dans le cabinet d'instruction, nous pas jamais qu'on écoute le passé. Seulement, nous avons bail sous Genet à travers un addendum contrat sous Varou 1 le même, parce que le contrat était sous Varou 2, le premier contrat. Donc, maintenant, si ce n'est pas préparé, nous avons préparé l'opinion, pour y aller mettre du feu encore dans Varou, pour chercher une forme pour y retourner, parce que vous avez venu gagner, le contrat a été réparé, etc., opéré. Bref, la situation est ce qu'elle est. Nous-mêmes, nous avons besoin de décisions à passer, nous sommes concernés pour nous faire appel, mais ça clair, c'est que l'État haïtien, d'ailleurs, vous voyez les avocats de la DGI viennent défendre les intérêts de la sous-génère. Quelle honte pour le pays. Et bien que nous, et pour le ministre. Qui sont ces avocats, même Maître. Comment Gélin. Écolo. Non, pas Gélin. Ancien commissaire gouvernement. Maître. On va vous parler de vous avoir connaître. Ça qui arrive, l'avocat de GMG, ma parole bonne dans le dalle. Maintenant, il y a un maître bonhomme qui est venu, qui est en fille. Et puis, nous avons mis 6 mains. Mettre 6 mains. Et Joseph m'a songé, même bras le bon nom, en détail. Et tout à l'heure, parce que nous avons des.
des auditeurs, l'homme de nos émissions dernièrement, il dit, monsieur Maître Simé, le Simé. Et bon, il est un employé de la DGI. Bon, c'est droit, monsieur, pour l'exercice profession. Mais la DGI, c'est normalement, c'est l'État qui doit défendre. Pour qui sont d'ici les intérêts de la ingénieur. Et il prend ordonnance entre eux. Vous n'avez pas compris, nous, non tribunal, même, et comment il s'appelle, juge Brice Fabien, tu ban nous acte de constitution, nous, et nous pas au courant de l'ordonnance qui prend. Or, l'ordonnance, les décisions judiciaires, il n'y a pas fait pour le juge là. Le greffe, c'est la mémoire du tribunal. Les juges là pour ordonnance, pour écouter pour le voir, et pas qu'un juge là mal des ordonnances là. C'est pas dans un stand de garçon, mais dans le coup de bête, donc c'est mal des ordonnances là. Donc il s'agit de. C'est un acte de banditisme judiciaire. Donc un mot créole. Ça auditoire là, de Kimbe, dans le dossier sous génère à l'État haïtien. C'est que Ariel Henry, ministre des Finances, là, directeur des GIA, mettez-vous ensemble avec Sougeneur pour vous remettre l'argent à bien. Mais l'argent, ça, c'est l'argent nous-mêmes comme haïtiens, parce que Sougeneur, d'abord, il y a une accusation de surfacturation sous dole que le fait nous-mêmes citoyens payer plus que 123 millions de dollars courants que nous pas consommer vrai, sans compter l'autre comme encore qui montait à 330 millions de dollars américains environ. Eh bien, je veux dire là, Ariel Henry, consort du directeur de GI, ensemble avec le ministre et Finance, se mettent ensemble pour défendre les intérêts de la Sogener contre les intérêts de la population. Pendant que jodi a la, nous avons un problème la police nationale gagne pour le faire travailler par rapport avec bandi, nous avons parlé de professeurs, de l'hôpital qui va capable fonctionner, de fatra, de saleté que nous avons vécu là-dedans. Mais ça qui est important pour Ariel Henry et consorts, ce n'est pas problème zéro, mais c'est défendre les intérêts d'une certaine mafia. Et même en tribunal là, nous avons dit nous mettre la fête attention parce que j'ai décidé, il y a pour faire tout le bagaille. Donc ça, Jovenel Moïse t'a défendu, non, qui est sur courant et que absolument tout le monde est mort pour ça. Donc c'est Baïza a fini. Mais est-ce que pas de l'autre l'amour toujours dans Baïza? Ah, mon cher, il y a où tu prends? Est-ce que pas son nom qui a continué à parler de Baïza? Non, alors, problème non. C'est moi-même là, il va de ça, va parler. Il va de ça, va parler. Il va parler de ça. Comme si vous voulez. Comme vous voulez l'envoi. Non, ça, c'est l'avocat. L'État haïtien. Vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est que si nous faisons une analyse logique, mais qui a une dimension criminologique, tout, c'est pas Jovenel Dupré avant, tu as pris un paquet. Non, non. Comme nous avons le pire, pour nous autres pire, pour nous la combat là pour finir, dossier pour finir clair, bien que vous avez juge sur le dossier, vous avez abjé le dossier, et de la façon par vous. Mais si tout le bagage était clair, Jean était planifié, et tout le monde qui t'a campé en face, qui a parlé, je veux dire, même débat, ça ne va pas faire, je veux dire, c'est clair parce que c'est ce que j'appelle l'assassinat permanent de Jovenel Moïse, assassinat continué sous d'autres formes à travers sa nouvelle, parce que depuis, et la question qu'on me posait, non, il ne s'agissait pas seulement de la Sogeneur, pour exemple, il parle. Qui était contre 1 million de dollars américains chaque mois, que le bail courant, que le bail courant. On prend iTrack qui était pour le bail courant, Tigouave avec Okai qui était contre 1 million de dollars chaque mois, qui fait plus que 3 ans par un bail courant. Nous avons commencé à faire action contre eux. Mais il y a une agence qui environ 12 millions de dollars américains, l'on prend ça au bail qui fixe là et l'autre bord de côté. Et 54 millions de dollars, ça, mais depuis Jovenel Moïse, il y a des formalités qui prennent pour l'agence à libérer. Nous ne savons pas qui est allé, pour le décaisser. Donc, c'est pour nous poser cette question, pour nous comprendre que, jodia là, cette mafia est en train de jouir de l'assassinat coup d'État. Parce que, ça crivé, il y a des gens certainement qui étaient dans l'assassinat, directement. Il y a des gens qui étaient indirectement là-dedans. Mais il y a des gens qui ont bénéficié, qui ont joué la donne, et qui ont fait tout ça qui est possible pour continuer à bénéficier. Donc, et ça pour nous retenu, c'est que je dis à là, plusieurs millions de dollars, l'opéra, et ça fait 54 millions de dollars américains par année que je venais pas de débloquer beaucoup. Non, mais il y a débloqué. Alors, il a débloqué, il a décaissé, le baron qui est-ce qu'il a encaissé, qui est-ce qu'il a encaissé déjà. Et quand il y a un papier que vous faites ensemble avec un juge, et moi-même, je ne voulais pas parler de juge parce que les gens vont juger. Un juge voulait dire un paquet de bagailles. Il voulait dire d'abord indépendant. Il voulait dire que
même l'ordre c'est un million de dollars, mais c'est ou pas avocat. Sous besoin faire l'argent, chercher à l'avocat. Bon, j'en m'en ai fait un là, mais à gang. Mais c'est pas près la justice là, comme il y a un bagay qui sont services publics et puis tout, ou observer les intérêts de des mondes qui en ont, ou bien des mondes qui ont acheté figure parce que, et comme ils ont dit, comme ils m'ont dit d'ailleurs, là de c'est ça. Il y a plus intérêt parce que Jovenel pape là, mais moi-même, il y a toujours là, il y a plus de 50 ans là. Mm-hmm. Mais moi-même, c'est pas. C'est l'équité et la justice qui gouverne, mais c'est surtout l'amour pour ce pays qui te gouverne nous. Et non, dossier ça. Maintenant, je vous dis là, il y a plus de qui excusez, combien de temps vous pensez s'arrêter pour tout le monde encore? Non. Pour dossier existé puisque Jovenel mourir, Jovenel était attaqué, dossier mourir. Pour nous-mêmes. Et ils remettent tout le monde à faire, l'argent, oui. Tout à faire. Par exemple. Maintenant, avocat, là. Combien de temps nous était pour nous parler de nous ça? Nous avons reçu une correspondance du Premier ministre qui date du 26 juillet. Quoi? Nous battons là. Elle m'a dit de nous poser, nous? Non, elle dit nous, il t'a remis, gagné, copie, mandat que nous avons. Bon. Et ce qui a été fait, et même bat là, et dit confrère, il n'y a pas de problème. Mais cependant, et je me rappelle cette phrase de Virgile, Timéo Danaos et Dona Ferentes, je crains les Grecs, même lorsqu'ils offrent des sacrifices aux dieux. Mm-hmm. Donc, je pensais que son bagay que Ariel gagne en tête les consorts, si vous êtes campé nous, bien sûr. Parce que non, dit même, parce que. Certainement, il fait bagaille à côté, il entend avec ce génie. Mais faut dire mon bagaille. Non, mais pas un dossier, mais faut m'entendre. Le gouvernement dit nous va avocat. Mais, faut m'entendre ça parce que nous allons poser des actes. Non, yo, jusqu'à ce que vous dites nous pas avocat. Honnêtement, c'est juste. Excusez, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'un président en Haïti qui a monté, qui a un président là, qui peut parler de Baïsa? Je ne sais pas. Et je ne sais pas quand c'est nous pas. Penser si ça t'a privé là. C'était à tout l'heure où tu sa sauce. D'ailleurs, contrat continué, million, bail. Non, juge référé et citoyen, comme ça, très bien, comment. Comment Brady Fabio n'a pas qu'à prendre des décisions. Même la banque qui a libéré, il faut faire attention parce que ce n'est pas le monde qui a un juge fédé par le pouvoir. Ça, d'autant plus que il y a des décisions qui te prend, c'est dans le cadre d'instruction qui a mené dans le dossier. Qui pouvoir le bagner, médecin juste? La loi pas bail, il y a un juge. Pour décider, rendre ordonnance. Il est un principe que juge ça a eu le juge, c'est le juge du provisoire. Mm-hmm. Il peut entrer dans fond affaire. C'est tellement ça le juge de l'urgence. Nous ne pas entrer dans des détails, mais c'est ça pour nous dire que débat, je veux dire, et comme homme d'État, c'est comment nous capables véritablement poser et résoudre le problème énergie électrique là. Nous ne pouvons pas résoudre les gens le fait là avec les gens qui vendent l'État courant et qui fait sous facturation et qui dans des énergies fossiles qui parlent d'intérêt pays. Par exemple, dans le contrat ça, l'État ici c'est des victimes, c'est nos victimes. Pour exemple, les gens qui vendent l'État courant, mais le job qui est plus difficile à l'État qui fait, c'est facturation, commercialisation, distribution courant, c'est l'État qui fait. Par exemple, tu as un décret qui prend le 3 février 2016 sous Martelly, côté que yo dit yo révolutionné la question courant dans le pays. Donc l'État n'a pas de monopole pour acheter courant dans le monde. Donc tout le monde qui a produit courant, ou bon licence pour ça, souvle distribuer courant, ou bon licence pour ça, souvle transporter courant, ou bon licence pour ça, souvle commercialiser courant, ou bon licence pour ça. Mm-hmm. Et ou après, faire la travers ANRC. Ou pas, j'aime tendre ni e-power, ni comment Sogener, ni Achok parler de ça, ou dit que ça va dans l'intérêt, ça va écraser et le marché de l'énergie électrique. Mais, et seul ça qui a beaucoup de monde, il faut que l'État toujours
et dit fait job et ça là à savoir eux-mêmes yo campé avec l'argent de l'État il y a produit courant avec matériel l'État il y a produit courant pour l'État marcher vendre courant pour nous on souhaite et l'État pas même bail tête les capacités pour contrôler quantité courant il y a balé. Il nous faut sortir de ce schéma là et sortir de schéma ça c'est pas seulement entrer dans cadre décret et 3 et février 2016 là seulement, mais c'est aller vers d'autres formes d'énergie. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, c'est joindre d'autres formes d'énergie qui ne peuvent pas pénaliser nous, je la pénalise nous là. Même gaz, nous ne pouvons pas depuis qu'il est entré, non, on ne peut pas mal faire gaz. Donc, et le monde. Oubliez ça. Oubliez ça. Non, très bien. Ça. Si ma chèque est dans la zone côté un pompier, c'est dans un galon. Donc, oui. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'un monde qui a une vision. Qui pour t'a dit par exemple même compagnie ça un problème avec vous et bien l'État qui doit faire une société mixte ensemble avec vous et puis aller vers d'autres formes d'énergie parce que tout en été dans mazout dans diesel dans ça et d'ailleurs pour jodi à la ou dit ou après le problème courant ou poser faut poser le problème du réseau électrique. Le réseau ça va pas courant encore pas j'aime même le t'as produit toute quantité courant par exemple un bout dominicaine qui voulait avoisiner 4000 mégawatts maintenant fait mois de mai avec un gros problème blackout jusqu'à présent par moment un problème blackout c'est pas un problème qui s'est plié mais je dis à la pays a pas gagné 300 mégawatts courant que là bas dernier calcul nous devait être 254 296 mégawatts courant qui installé mais qui pas c'est pas véritablement et ça qui a fourni comme énergie dans le pays a donc il nous faut sortir de cet enfer pour nous faire faut aller vers d'autres formes d'énergie nous capable toujours gagne centrale thermique que gagne centrale hydraulique que gagne tout ça gagne parce que la intérêt nous si nous gagne système qui est intégré, mais faut nous aller vers d'autres et formes d'énergie. Par exemple, dernièrement en Boston ou bien en Floride, moi, il y a pas encouragé population pour aller vers l'énergie solaire. Il y a même prêté l'argent pour être capable de faire des panneaux solaires à Cayo, gros pays ça, qui a moyen pour acheter pétrole et toute qualité. Donc, tout le monde peut aller vers d'autres formes d'énergie. Mais monsieur ça spécialiste ça qui n'en soit qui est contre l'État il dit l'État c'est celle ça a fait bon pour pays pour pays d'Haïti mais au fond nous c'est des contrats léonins qui seulement en faveur eux mais pas en faveur nous donc et je pense que c'est façon ça je dis à pour nous poser problème non ça pas pour retirer question pour ce judiciaire si vous voulez non mais n'a parlé de qui gens pour nous poser problème énergie électrique dans le pays à Jodia, faut nous aller vers d'autres formes d'énergie et surtout faut nous ouvrir marché à l'autre monde. À l'autre monde, Jodia, s'ouvre l'entrée dans la commercialisation, bien s'ouvre dans le passé pour tout et dans les transports, eh bien, ou capable de compagnie ou aller en assez ou pour une licence et pour transporter l'énergie. Il m'a dit job secret là et puis yon groupe de croisé pieds yo prend deux trois génératrices yo acheter l'autre bon ka voisin et puis tout a fait gros contrat million sous deux nous passer 12 millions de dollars américains dans caisse l'état ça chaque mois c'est pour pas simplier et pas oublier que c'est l'argent ça qui retire avant l'état résout tout problème c'est l'argent qui toujours retiré l'affaire professeur pas intéressé l'affaire policier pas intéressé c'est l'argent mon zaro qui toujours intéressé mais c'est juste me poser question ça comme ça. Et que le maître Stanley Gaston, que le maître Gaby Blaise, qui est encore un bon de ça, il consort. Parce que je dis à vous, pas de rapport avec ce sujet-là, puisque le dossier, selon l'ordonnance, c'est fini. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons que nous mettons Newton Saint-Just, Friso Canton, et consort est-ce que nous pensons. Est-ce que nous pensons après toute décision ça yo, nous gagnons en quelque rapport comme avocat l'État haïtien? Pour les bagages, nous avons besoin d'ordonnance là. Parce que nous avons fait action sous base de dire que nous avons eu un papier DGI dit nous n'avons pas aucun mandat pour nous agir dans l'État. Donc nous sommes partis à ce procès, nous avons besoin d'ordonnance. Mais quand nous avons besoin de c'est quand Alexandre Gaston, mais c'est quand. Et dossier ou bien j'ai un greffe tribunal, nous avons marché chez le bagage pour nous capables de faire appel de décision. Avec ou sans l'État, nous-mêmes nous avons besoin de décision pour nous faire appel de lui.
Maintenant, l'État, dossier à ces dossiers liés. Mais si des liens ont passé. Nous ne pas signifier, nous, ça va être. C'est pas signifier, nous, pour des liens, comment c'est courir pour nous. Non, mais est-ce que tu es a décidé lui-même pour une raison d'État? Jean l'a dit nous ça. Et puis l'a dit nous ça. Non, mais s'il n'a pas un rapport avec nous, il n'a pas un mandat, il n'a pas un mandat. S'il décide de lire, c'est l'État. Pour des raisons d'État, s'il évoque des raisons mafieuses, pour des raisons mafieuses, il nous a fait tout ça. Mais c'est bien côté mal calculé. Nous-mêmes, nous prenons une décision, nous faisons appel aux décisions. Et nous, pour aller jusqu'au bout avec la décision concernée nous. Mais nous avons une conclusion. Ça, il y a là, mettre Fritz au canton, mettre et qui l'autre encore. Maintenant, si l'État officiellement. Oui, ça c'est fini. Il n'y a pas avec ce genre. Il n'y a pas dit ça. Bon, c'est pas grave. Mais ça pas oublier ça. Même dossier ça, tu as plaidé devant le juge petit papa, Sandé Gaston, avec comment Bertrand Dorsé, ban M. Prisso, faire quitter le dossier à courir des pays. Et puis, il prend pour le bail de Fabien. Il s'agit de la mafia judiciaire. Il s'agit du banditisme judiciaire. C'est même gens qui ont kidnappé les gens dans la rue. Et c'est même bagarre qui a passé sous la forme des gens à costume qui a fait pour intérêt général. Donc, depuis sous décision, il a été forcé, petit papa prend le même dossier qui dit lui déporté là, pendant que le défin ordonné le dépôt des pièces, pendant que le défin ban nous acte. Que le terrain de mon mandat, mon procuration en main spécial entre nous-mêmes à l'État haïtien, nous avons fait appel de lui. Nous avons fait un premier appel sur le même dossier. Ils ont pris le côté de juge par eux. Ils viennent avec l'Argentin par eux, ils viennent jouer dans le championnat par eux pour eux. Mais ceci est inadmissible. Et comprenez bien. Non, nous ne sommes pas capables de faire. Et faut aller plus loin. Et permettre moi et faire une parenthèse sur sa crivée confrère Robinson. Qui a lui? Que me déplorer. Et que me dénoncer forme arrestation qui sont arrestation illégale. Non, il y avait mais George tout est dénoncé. Il y avait pas de flagrance et il y a pas de faire mettre Robinson ça. Et d'ailleurs capable prendre engagement, c'est un jeune garçon avocat que tout le monde connaît qui est honnête dans ça l'a fait en barreau. Moi prendre engagement. Mais non, côté ça vient entrer dans le sentier du A, c'est un système établi dans le ministère de la Justice, dans le gouvernement Gouniala, a fait le tribunal pas fonctionner, pas intéressé, pas capable de juger, pas intéressé, il a téléphoné. Oui, ça dépend de qui cabinet. Il a fait un million. Ça dépend de qui cabinet.